Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur LEGO City Undercovers. Et donc on va poursuivre notre aventure. Vous avez bien aimé la dernière mission qui était le sauvetage de Natalia. Et ben on va continuer et on doit aller chez Vinnie Papalardo dans son magasin de glace, dans son restaurant glacier, pour aller enquêter. J'en ai profité hors caméra pour aller un petit peu modifier l'apparence de mes personnages, donc vous verrez peut-être, je sais pas si ça a marché en tout cas, les costumes que j'ai choisi pour mes persos, je trouvais ça plutôt sympa. Alors on va se dépêcher pour aller sur les lieux du rendez-vous. Alors j'espère que vous allez bien, que cette semaine a bien débuté pour vous. Si vous êtes en examen, bon courage. Allez, on se dépêche d'arriver à destination. J'espère que c'est plus très loin. D'ailleurs, on fera certainement, une fois que le jeu sera terminé, qu'on aura débloqué tous les persos et qu'on pourra faire se poser sur le mode libre. Je vais pas faire des épisodes avec des séries par zone géographique. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera en fait un live. J'annoncerai la date et l'heure comme d'habitude. Et puis on fera un live ensemble et puis on ira faire des zones, on ira découvrir des endroits, on fera des missions ensemble pour essayer d'obtenir les objets cachés, les bonus, etc. Donc on fera ça tranquille, en famille. Alors toujours dans l'univers Lego, hein, j'ai pas oublié pour autant Lego Batman. Hein. On va continuer la série bien sûr. Ce sont pas forcément les vidéos les plus regardées sur la chaîne, loin de là bien sûr, hein, mais ça je m'en doute. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que moi je m'amuse. Voilà, on arrive chez Vinnie. Là, on a un petit truc à construire ici, une cabine d'essayage là. Hop. Voilà. Perso ici déjà qui a changé. Ça m'a pas changé. Si ça a changé. Alors pour le fermier c'est bon, ça a changé. Et pour le policier comme ça a changé aussi. Alors d'ailleurs une petite parenthèse là, justement là en parallèle je faisais la même chose pour mon fiston sur Wii U. Et c'était marrant parce que sur Wii U le pompier n'a pas le même costume. Maintenant c'était toi sa première gâchette. T'inquiète, je suis pas jaloux. Il est dans le coin. Ah, c'est qu'il a dit qu'il devait rencontrer un client privé. Ouais, pour te dire la vérité, ça m'inquiète un peu. Le gars qui voit, c'était un type qui chapeautait tous les raquettes de la ville avant de se faire pincer. Il est sorti de tôle, là. J'espère qu'il n'essaiera pas d'évincer Vinnie de ses plans. Tu veux que je m'assure que Vinnie va bien? Vinnie me renierait s'il savait que j'ai envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est vrai. Alors il doit surtout pas l'apprendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il devait se rencontrer quelque part à Paradise Sands. Trouve-toi un endroit en hauteur. Et avec un peu de chance, tu les verras. Ok. Merci, Mo. Non, merci à toi. Alors, il nous envoie ailleurs pour qu'on puisse aller enquêter. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte. Je devrais occuper mon temps libre à quelque chose de plus important. Il y a plein de personnages déguisés, c'est marrant. C'est avec les briques rouges que j'ai activé le truc. Bon, rien de spécial ici à faire. On va aller hop vers l'endroit qui est signalé. J'espère que c'est pas trop loin. Hein. Sinon, on va piquer une moto de police là. Allez. Désolé, c'est une urgence. Ouais, donc c'est une brique rouge où en fait les passants sont déguisés, c'est assez marrant, non?
Ah, voilà, on est arrivé. Waouh! Alors c'est ça, l'hôtel des parents de Franck? Ils doivent être pleins aux as. Ok, il faut que j'aille sur le toit. Ouais, c'est parti. Hein. L'autre, il se baigne avec son cheval. Non, mais sans déconner. Il est vraiment ch'tardé. Ah, allez, on y va. De retour dans 5 minutes? Mais je n'ai pas 5 minutes. Je vais devoir le faire à la dure. Alors là, on va essayer de s'infiltrer. À mon avis, il y a un change de couleur à faire. Est-ce que vous avez vu, il y a un bouton qui est en rouge, il va falloir passer en vert. Hop. On va casser un peu tout le mobilier, on va certainement avoir un truc à construire. Voilà. Le change de couleur. Et on récupère la couleur verte, qui va nous permettre de construire, enfin de débloquer du moins. Hop. Voilà. L'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a? On a des mini-jeux ici avec des... Ah non! J'ai plus qu'à tout remonter. Ah, le boulet! Alors justement, je me disais que j'avais l'impression que la version Wii U au niveau des parcours, comme ça, c'était plus pénible. Parce qu'on avait plus de mal à viser les endroits où on devait sauter. Mais finalement, je me rends compte que sur PC, on est un petit peu quand même... Ah bah bravo. On est quand même un petit peu handicapé. Hein. Le mec qui arrive pas à sauter sur le dos d'une abeille. Bon, on me dirait, c'est pas courant. Bon, donc on reprend nos affaires. On avait dit, on va faire les mini-jeux. Ça peut nous débloquer un insigne. Allez, on est parti. Tranquille, hein, le footing. Et 2-1. Ouais, on va soulever des poids haltères. Voilà. Et 2-2. Par ici la monnaie. Alors ici, il n'est pas question de faire le 100% pièce, on n'est pas dans une zone. Hein. Bon, on voit qu'il y a une porte à faire péter avec la dynamite. Faut croire que vous êtes bien membre du club. Ah, du coup, même si le fait d'avoir fait les exercices nous a ouvert la porte. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Allez, pour la forme, on va s'en faire un petit dernier. Voilà, hein, ça entretient un petit peu. Et voilà. Impeccable. Allez, par ici la dynamite. On va faire sauter la porte. On a un ascenseur. Franck? Oh, salut, Chase! Tu viens séjourner à l'hôtel de mes parents? Non, je recherche Vinnie Papalardo et Rex Fury. Eh ben, non, il y a une barge avec son cheval dans la piscine. Dans le registre? Ah, ce n'est pas... Non, oublie. As-tu repéré quoi que ce soit d'anormal d'ici, Franck? Non! À part cet hélicoptère à l'aspect sinistre qui nous a survolé il y a quelques minutes, puis s'est posé sur le bâtiment en face de l'hôtel Herbert. L'hôtel Herbert? Alors c'est là que je dois aller. Hey!
Que reprochez-vous à l'hôtel de mes parents? C'est à cause de ce client qui a mangé le chocolat posé sur son oreiller et s'est aperçu que c'était un cafard? Allez, on va faire du chicken wings. Interdiction de se louper là. Peut-être ça donne l'impression que c'est quand même vachement short hein, au niveau des passages. Ouais, c'est bien ce que je disais, hein, c'est short. Hein. Ouais, ils sont gentils. J'ai cru que j'allais devoir tout remonter, alors là j'allais te dire. Alors on l'a refait. Ouais, là c'est mieux. Le poulet qui est au bout de sa vie, quoi. Putain, j'ai atterri pile poil sur la rambarde. Encore un peu, je passais à côté. Alors là... Qu'est-ce qu'il a, mon perso, a marché comme un con, là. J'aime pas trop sa démarche. Ça me perturbe. Donc là, il faut mettre des bouchons. Dernier doit être le temps. On prend notre gentleman cambrioleur. Ah, qu'est-ce qui nous fait construire? Ah, une espèce de jukebox, on dirait. Admettons. J'aurais pas oublié de payer la facture d'eau. Oh oui, je crois bien que oui. J'avais peur que ça passe pas. J'y crois pas. Vous êtes le type qui a piqué ma voiture et ruiné notre fête. Oh, bon sang. Voilà, affaire classée. Une petite brique ici. Voilà, un pic. Pousse, petite fleur, pousse.
j'ai fait la nuit dernière était un délice. J'adore quand un flan se démoule sans accroc. Quand un flan se démoule sans accroc, bah ouais. Hein. Alors celle-là était bonne, tiens. Qu'est-ce que ça cache, ça? Une petite brique. On aura fait un sacré parcours, là. Encore une petite brique ici, il y a une grosse construction à faire. Alors c'est une piscine qu'il faut construire. Stylé. Alors vous me direz, une piscine sans eau, c'est pas une piscine. Et hop. La catapulte. Je commence à vraiment bien me débrouiller avec ces catapultes. C'est un défi de zone. Alors où est-ce que ça va nous emmener, cette histoire? Ah, de l'autre côté? Like. Une petite construction à faire. Et merde. C'est nul, ça. Ah, une voiture téléguidée pour aller dynamiter je ne sais quoi. Ah, oui, il y a un parcours à faire pour enfin arriver. Ah d'accord, ici. Et ici ça va nous créer, je pense, un change couleur. Et c'est un sans faute. Alors, on reprend le téléporteur pour aller de l'autre côté. Encore une catapulte. Génial. T'en rêvais. Oh là, l'atterrissage.
un peu court. Faut que j'aille à l'arrière du toit pour voir où cet hélicoptère a atterri. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Une clé. Ce qui a explosé, mais ça explose en tout cas. C'est Rex. Vinny travaille bien pour lui. J'arriverai jamais à aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Un autre job? On avait un accord! J'ai chargé Chan de te fournir tous les véhicules. Je t'ai obtenu ce tyrannosaure, et l'émeraude poivron, et ce bateau, Rex. Tu sais le mal que s'est donné le pauvre gars que j'ai envoyé pour te l'obtenir? Eh bien, j'ai encore d'autres trucs sur ma liste de courses, Vinny. Et c'est toi qui vas me les obtenir. J'ai même pas encore été payé pour tout le reste. J'ai des frais, moi. Et ces peintures que tu m'as données ne valent rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont des bricasso. Ah ouais? On dirait juste des portraits. Obtiens-moi ce que je veux, Vinny. Ou je devrais te remplacer. Ouah, ça barde. Pour Vinny. Rex Fury me tape sur le système. On fait tous les boulots, on prend tous les risques. Mais il nous traite comme des singes et il nous donne... Des cacahuètes? Chase, qu'est-ce que t'as entendu? Rien. À part que vous avez mentionné Rex Fury. Oh, puis c'est pas grave. Ouais, c'est l'acheteur privé pour qui je travaille. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Personne ne traite un papa lardou de cette façon. Oh, nous allons faire un boulot juste pour notre compte. Vous pensez à quoi, au juste? Le plus gros gâteau de tout Lego City. La pièce montée de Van Stauffenburg? Non, pas ce genre de gâteau. Je parle de Forrest Blackwell, le ponte de l'immobilier et le roi de cette ville. Forrest Blackwell? Je vais dire à Mo qu'ils prennent le bateau de pompiers et qu'ils te rejoignent. Au boulot! Ok, Vinny. Je ne peux pas mettre en péril ma couverture. Pas tant que je n'ai pas arrêté Rex. Où est-ce que ça va nous mener, ça? Ça tourne que dalle, cette bagnole. Putain, c'était une horreur. Ouais, ça va être la fin de la mission. On va se rendre au manoir Blackwell. Et on va se quitter sur cette petite cinématique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City. En attendant, portez-vous bien, salut à tous. En fait. Blackwell a perdu tout intérêt pour les constructions après le scandale. Ah oui, c'était quoi cette affaire déjà? Hein? T'étais en vacances ces dernières années ou quoi? Pas vraiment, non. Blackwell voulait construire un énorme complexe composé d'appartements et d'un centre commercial dans le parc national de Bluebell. Sauf qu'on y a trouvé une espèce rare d'écureuil, alors la mairie a tout bloqué. Mais il avait déjà dépensé des milliards dans la construction du pont Blackwell pour relier le parc à Uptown. Alors ça, ça a dû bien l'ennuyer. Oh oui, il l'a très mal pris. Il a juré qu'il construirait plus jamais rien. D'accord.
Maintenant, on ferait mieux d'être silencieux. Je vais attendre ici le moteur allumé. Monte là-haut, prends le matos et reviens vite. Ok. Et puis donc, on va aller s'infiltrer dans le manoir Blackwell. C'est étrangement tranquille dans le coin. Peut-être que les gardes de Blackwell sont en vacances. Peut-être pas finalement. Alors, déjà le 100% pièce. Pourquoi il y a cette échelle là? Peut-être parce qu'il y a un moment où on doit peut-être tomber là-dedans. On va essayer de pas y tomber en tout cas. Cosmonaute. Je parie que j'ai le temps d'ouvrir avant qu'ils arrivent, qu'ils me tapent. Ah bah non. Raté. Ah bah non, encore raté. Quoique si ça a marché. Pourquoi cette fleur? On verra après. Voilà, en tout cas, il y a l'électricité, donc on peut pas y accéder. Il faut grimper.
Merci pour la porte. Bon, James, sur l'ascenseur, ne prends rien de trop précieux. Juste quelque chose de brillant qui plaira à Vinny. Parce que des fois qu'il y a un truc, une brique ou un truc comme ça et qui traîne, faudrait pas se louper. Un truc de cosmonaute par exemple. Un véhicule. Et du coup, elle nous fait un signe. Magnifique. Ça, ça va nous emmener où, ça? Là-haut. Ah, mais là. Ah, si. Ah, non. Je pourrais pas l'avoir. Parce que là, il faut le réparateur. Et c'est lui seulement qui pourra me débloquer ce truc-là. C'est pas grave. Si j'étais un milliardaire cachotier, où pourrais-je bien cacher ma chambre forte? Eh ben voilà. Chase, des gars sortis de nulle part sont à mes trousses. Je vais les attirer pour que tu puisses t'enfuir. Dépêche-toi. Ok, je prends le matos et je sors d'ici. Le matos. Bien sûr. C'est comment la lettre à Elise déjà? Un petit peu de piano, vite fait. Fait câble. On aurait eu les quatre insignes. Les angles de caméra, c'est assez horrible pour le vampire. Super, on peut difficilement faire moins discret. Il y a des changes couleurs dans l'air. Ça, ça aurait été un endroit tout indiqué pour cacher une chambre forte. Il ne reste plus qu'un seul niveau de protection. Allez, envoyez la suite. Tiens, tiens, on a de la visite. Hein?
Alors, hop, un petit peu de construction. Sésame, ouvre-toi. Ou simplement, ouvre-toi, si t'es allergique au sésame. Oh oh, on... Qui êtes-vous? Intrus en fuite! On le prend en chasse! Notez bien ce personnage là avec son vélo. Allez vite. Vous verrez à la fin du jeu. Donc on a terminé cette mission de cambriolage du manoir à Blackwell. Donc voilà, cet épisode qui se termine, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur LEGO City Undercovers, en attendant, portez-vous bien, salut à tous!